それでもソルジャーか。そんな情けないソルジャーはいらない。アンジール待ってくれ。その翼、俺にもくれよ。Cloud. Eh bien, salut tout le monde, c'est Full Game Set. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 17 de Final Fantasy XVII Crisis Core. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Ça fait plaisir de retourner sur la suite. Donc, écoutez. On va continuer l'histoire, donc avant que l'on continue, n'hésitez pas à mettre un j'aime avant la fin. Bah, mettez un j'aime, point, basta. Je me complique souvent toujours la vie avec les textes. Donc n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire si vous avez envie de réagir à la vidéo, et puis ce que vous avez pensé également. Abonnez-vous également et partagez-la, cela me fera également plaisir. Bien, donc, pour commencer, dans l'épisode précédent, épisode plus ou moins très important, donc nous avons affronté Sephiroth dans sa folie, qui donc avait découvert qu'il était issu d'une expérience. Le monstre parfait, d'une certaine manière, parce qu'en fait, c'est une fusion de plusieurs expériences faites par Ojo. Foiré, qu'on a combiné dans un seul. Et qu'on a inséré dans le fœtus, dans Sephiroth quand il était fœtus. Et en plus de ça, on l'a mis dans le corps de Genova. On lui a donné les cellules de Genova en plus. Ce qui fait qu'il y a eu un gros mélange et ça a donné le Sephiroth. Ce qui fait que d'une certaine manière, il n'a aucun défaut. Du genre, il ne peut pas. Il se transforme pas en monstre. Il ne peut pas se dégénérer comme Genesis. Et comme pour le cas d'Angel, ce qui avait été le cas pour Angel, il est toujours, on peut pas faire de réplique à Sephiroth. Donc en gros, il est stable, mais très puissant. Bien, donc on s'était après le combat contre Sephiroth, donc Cloud a mis tapis facilement Sephiroth. La suite par la colère. On vient de se réveiller dans une cuve avec quelque chose autour de verre. On sait pas trop. On a vu Angel, en gros un petit flashback d'Angel. Petite cinématique aussi de CGI qui était très jolie à voir. Ça, il n'y avait pas à dire. Elle était courte mais jolie. On est un peu en piteux état. Donc on est bien évidemment au sous-sol du manoir Shinra. Donc on va continuer. Donc c'est la troisième fois que j'enregistre cet épisode parce que le nombre de fois où j'enregistrais, mon logiciel n'a pas voulu. Donc écoutez, j'en suis désolé. Donc je sais à peu près ce qu'il faut faire. Pour le fameux coffre-fort, quel il faut un mot de passe, écoutez, je ne le ferai pas parce que la récompense est la technique frappe vitale. Donc ça me branche pas. On va lire ça, qu'est-ce que c'est? Alors, document 2, le journal de chercheur numéro 1. Me voilà banni dans cette ville de campagne. J'étais tout content à l'idée de participer à une expérience top secret du professeur Ojo, mais elle est déjà terminée. On ne veut même pas me dire de quoi il s'agissait. Qu'est-ce que je fais ici alors?
Tant que je travaille pour Hojo, j'ai des chances d'être promu, alors je dois rester patient. D'accord. Donc Hojo, je rappelle, c'est le monsieur, c'est le chercheur qui nous a récupéré juste après le combat contre Sephiroth. Hein. C'est lui qui nous a mis dans cette cuve. Allez, sortons d'ici. Donc Cloud est un peu en piteux état. Voilà, donc il n'est pas au milieu de sa forme. Voilà, bah écoutez, on va sortir du manoir. Parce que je pense que c'est la solution qu'on doit faire. Alors, étant donné qu'il est pas en mauvais état, bah, on va devoir traverser le souterrain pour pouvoir aider Cloud à passer, parce qu'il n'est pas en état de combattre, quoi. Donc, on va y aller. Donc, je vais pas trop m'attarder sur les combats, parce que ça risque d'être un épisode un peu long, quand même, en soi. Puis, j'ai pas vraiment envie de me faire tout combat, là. Et puis, c'est facile à esquiver, donc, écoutez... je veux dire, je peux gagner des niveaux grâce aux missions. Quoique maintenant, les missions, j'en ferai de moins en moins parce qu'elles sont de plus en plus difficiles. Et moi, au bout d'un moment, je peux plus, quoi. J'atteins mes limites, quoi, niveau combat. Donc c'est bien par là. C'est bon, je m'étais pas trompé. On va y aller. Premier étage de la manoir chinoise. C'est bon, la voie est libre. Bien. Donc, voilà. Donc on sait pas du tout combien de temps on est resté aussi enfermé dans cette cuve. C'est là qui va être le mystère. Donc écoutez, voilà quoi. Attends-moi ici, je vais libérer le passage. D'accord. Ah oui, d'accord, on est juste ici, d'accord. On va y aller. Ah putain, ça m'a surpris. Ok. On va s'occuper des petites créatures. Hop, tac. Donc on a un surplus d'émotion de Angel, de ce que je vois en haut là. Donc ce qui veut dire qu'on aura beaucoup de chance d'avoir cette technique. Voilà, bien. Un texto. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce texto? Annonce au personnel 0210, bulletin Shinra. Ceci est une annonce officielle concernant les employés suivants. Sephiroth, première classe du soldat, mort au combat. Zach Fair, première classe du soldat, mort au combat. Deux unités d'infanterie ont également été tuées au combat. Super, donc on est passé pour mort. Super! Ça va être joyeux ce qu'on va suivre. Quoi encore? Ah oui, on va en recevoir plein des textos à mon avis. Dis-moi qu'il mente, Kunsel. La direction des affaires générales a annoncé que tu étais mort au combat. Mais c'est un mensonge, pas vrai? Où es-tu? Que deviens-tu? Qu'est-ce que tu as fait pour que la compagnie te déclare mort? Laisse-moi t'aider si tu as des ennuis. Si tu as des ennuis, j'attends de tes nouvelles. C'est dommage qu'on puisse pas interagir avec les textos pour avoir des petits suppléments, du genre amélioration de combat ou des objets, hein, des conneries. Après, je dis ça. On n'y est pas. Allez hop, on va s'occuper de ça. Je sais même pas si Nicole est là. Il me semble que oui. Un éther. Très bien, ça fait plaisir. Que je peux ouvrir ça, c'est fermé. Ok. Bon, bah écoutez, on va descendre, hein. On va directement quitter le manoir, on va pas trop perdre de temps. Donc on est passé pour mort, super. Donc ça va être joyeux. Donc on est soi-disant mort. Mais ça, je pense que ça doit être Hojo qui a dû mettre ça, ou parce qu'on a disparu justement, on ne sait pas. Les autres ont pensé qu'on était mort. C'est bon, la voie est libre maintenant. Je vais libérer le passage. Attends-moi ici. Ok, bon, écoutez, on y va. Ouais, donc faut vraiment se barrer, quoi. On est... Ouais, faut se barrer, quoi. On n'a plus rien à faire de toute manière ici, hein, parce que Genova, elle a été détruite en même temps. Bah, la tête de Genova a été détruite par Sephiroth quand Cloud l'a défoncé. C'est bon, oui. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Donc, écoutez, on va y aller. Toujours avec ces musiques mémorables de FF7.
qu'est-ce qui se passe? J'ai vu la ville réduite en cendres, mais elle est redevenue comme avant. Il s'échappe! Les cobayes du professeur s'échappent. Vous ne nous arrêterez pas, pardon, excusez-moi. Cloud! Oh non! Il faut que je me débarrasse d'eux rapidement, ils ne nous auront pas. Neutraliser les miliciens de la Shinra qui veulent s'emparer de Cloud. Ok, d'accord. Bon, bah super. Donc, on staff nos potes. On affronte les membres de la Shinra. Super. C'est. Putain, on est passé à un cap où on voulait aider le monde. Maintenant, on est attaqué par nos propres mecs. Par nos propres camarades, quoi. Donc, faut s'occuper de tout le monde, quoi, en gros. Et une chance. D'accord, une chance sur 5 pour qu'on ait la technique de Tseng. On l'a pas. Bah, puis, sincèrement, au fond de moi, je ne voulais pas l'avoir. Hop, tac. Ah, la technique de Zack. Non, Angie, pardon. On ne l'a pas non plus. Hop, on va faire un lame brasier. Non, 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 toi tu vas pas te soigner. Hop. Voilà. On va rattraper Cloud maintenant. Hop, voilà, ok, c'est bon. Alors, je crois que c'est en 3 phases, il me semble. Là, on vient de faire la première, là, on entame la 2. Alors, je vais faire beaucoup cette attaque parce que... elle est quand même pratique. Bah, elle prend des... elle fait les dégâts de zone, en tout cas. Hop. Hop. Aïe, 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 aïe. Oh, s'il te plaît, je veux avoir ma technique parce que il y a un peu trop de monde là. Ah, une scène, super. J'espère que tu t'entraînes dur, Zack. Ça, oui, j'ai monté de niveau du tout. Alors, voyons ce que ça donne. Voici tes données du mois dernier. Ok, je vais tout exploser. Donnez-moi du... oh là, j'ai rien compris. Excusez-moi, ça allait trop vite. J'ai pas eu le temps de lire. Je devrais peut-être laisser Sylvain s'occuper. D'accord, ok. Bon, en gros, c'est... il est nul, quoi. Ah, super, on l'a. Ouh, on monte de niveau. Niveau combien? 29, super. Oh, niveau 4. Voilà, donc on les a tous défoncés. Bon, moi avec la technique, ça a fait gagner du temps, donc on a vraiment le temps de chercher Cloud. Bien. En plus, on est en mode limite élevé, donc ce qui fait qu'on a de plus en plus des techniques utiles. Hop, tac. Hop. Hop, alors attendez, j'ai le câble qui pendouille et en plus il y a mon chat qui vient m'embêter. J'ai vieux joué avec mon câble, donc on va être envahi par un chat. Par mon chat. Et voilà. Oui. Ça fait un bail. Sébastien, essaie. Sébastien, essaie. Là, je suis désolé. Oh bon, ça me saoule. J'ai pas compris le délire. Bon, écoutez. Je pense que c'était un hommage en fait de deux soldats morts. Oh, frappe aérien niveau 5. Oh. Oh putain, il y en a encore. Quoi. Encore? Ah bah putain, pour une fois qu'on l'a la technique. Oh, il y a un mocachon. Oh, c'est marrant, mais je l'avais en tête. Ah, s'il vous plaît, faites qu'elle passe. Oui. Allez, un mocachon d'Ifrit. Alors là, ça va tout... là, on va tout péter, là.
Cette invocation est toujours aussi belle. Bah, les invocations en soi sont toujours aussi belles. Bon, dommage qu'on puisse pas en avoir de plus en plus. Parce que franchement, on en a vu que très peu. En final, on a vu que très peu d'invocations. On a vu Bahamut, on a vu Odin, je crois, il me semble. Bah, c'est plus les techniques quand on les affrontait en soi. Non, Odin, je crois pas qu'on les vu. Enfin, on en a vu peu, quoi. Ça serait bien qu'on puisse en voir d'autres, quoi. Oh, qu'est-ce qu'il m'arrive? Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi ai-je du mal à me battre? Il faut retourner dans le manoir. Il fait jour, mais on est encore un peu faible. On devrait peut-être se reposer jusqu'au crépuscule. Cloud. Serait-il intoxiqué par le Mako ? Angel, suis-je incapable de sauver qui que ce soit ? Allez, je vais te chercher des habits. Cet uniforme imprégné de Mako ne risque pas de t'aider à récupérer. Attends-moi ici, je reviens. Ok, donc faut aller chercher les fringues. Donc c'est la fameuse armoire auquel on pouvait pas l'ouvrir. Donc tout simplement, faut aller récupérer la clé que détient le scientifique qu'on a assommé au tout début de l'épisode. Donc c'est pas très très long en soi. Voilà, donc franchement, on n'est pas du tout dans une bonne ambiance. Là c'est plus... Donc là, je vous l'avais dit, hein, on était déjà rentré dans la deuxième partie du jeu quand Angel est mort. Mais là, on est vraiment rentré dans la phase 2. Là, on est vraiment en pleine dans la phase 2. Donc au début, la phase 1, c'était plutôt mystère et fugitif de via Genesis. Et maintenant qu'Angel est mort, c'est l'inverse quoi qui se passe. C'est en gros, on est plus devenu des fugitifs maintenant, parce qu'on est devenu des cobayes. On s'est fait traquer par la Shinra. Seuls quelques insectes savent qu'on est toujours en vie. On a été déclaré mort. Donc, à mon avis, tout ça, ça revient de la manipulation. Tout ça a été ça a été organisé, quoi, d'une certaine manière. Après, par qui? Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que c'était Ojo et Hollander qui étaient les fouteurs de merde. Hollander, on sait pas trop qu'est-ce qu'il est devenu, hein, d'ailleurs. On nous a dit qu'il était mort. Mais bon. À mon avis, j'y crois pas trop. Tant qu'on l'a pas vu, on peut pas le dire. Bah non, Hollander, il s'était échappé, je crois. On devait le garder, mais il s'était échappé, je crois. Il me semble à Junon, je crois, il me semble. Le canon de Junon, je crois. Bien. Donc, on va aller chercher les habits de Cloud. Hop, putain, on va encore se faire un. Hop, donc... voilà, pas très très bon en soi. Hop, on va ouvrir ça. 5000 gills. Ouh, ça, j'avais jamais ouvert cette partie. Je pensais que l'un des deux revenait au même. Voilà ce que je cherchais. Ça devrait faire l'affaire. Tenue du soldat. Ouais. 5000 gills. Ça, franchement, c'est pas à cracher. Ah, franchement, la musique est belle. Hein. Mais là, elle a une petite touche. Le côté un peu solitaire, je trouve, cette musique. Ouais, c'est mon point de vue. Ok, on va habiller Cloud. Hé, j'ai trouvé quelque chose. Enfile ça. Ses vêtements ne sentent pas la rose, mais on n'a pas le choix. Ça te va plutôt bien. ささやかだけど、たくさんあるんだろ。当たり。聞く？何個あるの？23。紙にかけよ。忘れるから。ささやかな希望は
23個。 でも、 ザックスは きっと覚えきれないから 1つにまとめます。 もっと 一緒にいたいです。 なあ、 クラウド、 俺、 ミッドガルへ行かなくちゃ。 お前も一緒に行くよな。 C'est pas vrai. Ok, donc petite scène toujours un peu sympa. Donc Zack pense à ses amis, un autre principalement Iris. De toute manière, on se rend compte, hein, que Iris est amoureuse de Zack, mais qui après plus tard sera amoureuse de Cloud. Ça va alterner, hein, de toute manière. Je ne suis pas idiot, Cancel. Zack, où es-tu passé? Glisse-moi un mot si tu as ce message. Et tu as disparu depuis ton affrontement avec Sephiroth. Ton affectation avec Sephiroth. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que Sephiroth soit mort au combat? J'ai entendu dire qu'il se passait de drôles de choses à Nibelheim. Est-ce là-bas que tu es? Bah oui, mais bon, malheureusement, si je te dis quelque chose, tu vas t'en prendre dans la gueule. Et puis, on est des cobayes, comme on dit, donc... on est passé pour mort, on est des cobayes. Waouh! Allez, on va s'en aller. Oh là là là, j'en ai des textos. J'ai un plan, Luxière. Zack, comment allez-vous depuis tout ce temps? Je me fais beaucoup de soucis pour vous. Dites-moi où vous êtes et je viendrai vous chercher. Si on faisait une petite mise en scène. Si vous me laissez vous arrêter, j'aurai droit à une promotion à coup sûr. Ensuite, à mes nouvelles responsabilités, je pourrai peut-être vous sauver la vie. Dites-moi juste où vous êtes. Oh, enfoiré, quoi. Non, non, laisse tomber. Allez, partons d'ici. Reste avec moi. Nom d'un chien, ça n'en finit pas. Attends-moi ici, je vais faire un tour. Ok, très bien. Neutralisez le robot canon mobile déployé des deux côtés de la route avec le fusil de précision. Si vous ratez votre coup, l'ennemi prendra la fuite et vos points ratés augmenteront. N'oubliez pas que vos points ratés augmenteront aussi si vous laissez l'ennemi fuir un combat normal. Inversement, lorsque vous neutralisez le robot canon mobile, vous gagnerez des points réussis qui pourront être utilisés pour améliorer le fusil. Très bien, donc en gros, ça va être une phase de sniper. Alors, je vous rappelle de suite... Alors, attends... Je suis pas vraiment très fort dans le sniper, dans ce jeu. Ce n'est pas vraiment le style du soldat, mais je n'ai pas le choix. J'espère que je vais y arriver. Alors, viser. Zoom. Est-ce que déjà il y en a d'autres? Ou il y en a qu'un seul? À mon avis, je pense qu'il y en a qu'un seul, mais c'est pour le... Hop, on va essayer de bien se débrouiller quand même. Oh putain, non! Wow, la technologie sonore est en train de voir grâce au système d'aider à la visée. Même un amateur comme moi pourrait y viser correctement. Ouais, j'ai quand même réussi à foirer le premier. Hein. Ça promet. Oh là 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 là. Il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a qu'un seul. Bon, c'est bon. On va s'occuper de lui. Putain. Hop. Faut avoir le rythme. Faut avoir un rythme, en fait, tout simplement.
pense qu'on a fait celui-ci. Donc on a un point. Donc après, je pense que ça, on va pouvoir améliorer le fusil. Pour l'instant, je crois qu'on peut améliorer que très peu là. D'accord. Donc on en a deux. Oh putain, je les ai pas vus ceux-là. Hop. Donc ceux-là, ils comptent aussi pour des points. Hop, frappe vitale. Voilà, en plus on a eu les deux. On a 4 points. Donc on va, je pense, augmenter. on va. Oh putain, c'est pas vrai. On va améliorer. Puissance d'attaque. Allez, on améliore ça. Hop, on va utiliser ça. Arrête-toi, arrête-toi. Voilà. Non, 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 non. Tu m'auras pas. Hop, voilà, c'est bon. On en a eu un. On va encore améliorer peut-être la précision, je pense. Ouais, ça peut être pas mal, la précision. Donc c'est vraiment la seule phase de shoot. Bon, c'est juste pour varier un peu le gameplay. On va améliorer la stabilité. Visée élargie, ouais, non. Stabilité plutôt. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, ça, il n'y aura pas grand-chose de différent, mais bon, moi c'est toujours ça. Alors il y en a combien? Il y en a 3, ça je crois. Ouais, il y en a 3. On va s'occuper de lui. Ah putain. Hop. Non, oh putain, j'en ai fait rien. C'est chiant ça. Hop, voilà, maintenant on en est occupé un. On va s'occuper de lui là, parce que lui il est assez chiant. Voilà. Maintenant lui, on va s'en occuper tranquillement. Alors lui, il a un objet, je crois, quand c'est rouge. Ah super, j'ai cru qu'il allait s'en aller. Voilà, ah, super, on les a bien gérés, franchement. Bien gérés, c'était propre. Ah, quoi encore. Hop, tac. Hop, toi aussi. Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, ça risque d'être peut-être une vidéo un peu longue. Est-ce que c'est par là qu'il faut que j'aille? Je crois que par là, il y a un truc comme ça. Ouais, on peut se faire les trois si on faut. Ah, il y a un bidon. Super, on pourra se faire le bidon. On va améliorer la puissance de feu. On va améliorer la puissance de feu. Hop. Hop, on va l'activer, c'est bon. On va essayer de bien viser. Voilà. Alors je sais pas si j'ai eu l'objet. Bon, par contre je sais pas si on peut la voir surtout parce que. Après, est-ce qu'ils vendent des. Est-ce qu'ils lâchent des objets? Ça, j'en sais rien. Ah super, on va pouvoir améliorer ça. Hop, on va faire la même chose. Hop. Ah bah super, là franchement on augmente bien les. On a de quoi améliorer le snipe là quand même. C'est pas à cracher. Il va y en avoir d'autres, je suppose, dans le coin. Ouais, il y a eux. Alors. On en a deux sur le côté. Ah putain. Bah écoutez, on va s'en faire 10 hein, au final. On aura de quoi améliorer hein. Hop, voilà. Bon, une petite frappe vitale, c'est vite réglé. Hop, on va améliorer. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? La stabilité, je pense que ça peut être bien. La puissance d'attaque. Et on va améliorer. Voilà. Comme ça, on est bien équilibré partout.
Neutraliser les patrouilleurs. Ok, alors. On en a que deux de ce que je peux voir. Voilà, mais on a rien pour les. Ah ouais, putain, on sent la meilleure stabilité de l'arme. Non, 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 tu vas où, tu vas où, tu vas où, toi? Hop, l'autre il s'est barré, je suppose. Non, ça va. Putain. Ah, putain. Non, 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 toi tu te barres pas. Hors de question. Hop. Voilà. Ah là, on les a bien gérés, là, en tout cas. En plus, ils augmentaient leur point de vie au fur et à mesure. Hop. Et voilà. Bon, bah on va continuer, hein, tranquillement. Par contre, je sais pas où est-ce qu'on... Est-ce qu'on doit aller, là, d'ailleurs? Ah, super. Donc, on en a un, là. On va s'en occuper un. On va améliorer la puissance de feu. Parce que je trouve que la puissance de stabilisation est déjà pas mal. C'était bien visé, ça. Non, 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 non. Hop, allez. Ah, d'accord. Ah, merde, non, 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 y'en a un, y'en a un, y'en a un, y'en a un. Prends-le, vite. Ah, je m'en fous, je vais te voir. Putain. Bon, écoutez, on a quand même bien géré. Franchement, on snipe, y'a pas à cracher. On a plutôt bien fait. Franchement, on a bien fait. Allez, on va s'occuper... Normalement, ça devrait être terminé, je crois. Ah non, il y en a encore. Oh putain. Oh, il y en a beaucoup là. Oh là là, il y en a beaucoup. Bah, elle va être plutôt longue hein, cet épisode, hein, jusqu'à la prochaine sauvegarde. On n'a pas eu de sauvegarde depuis, hein, je précise. On va améliorer ça. Neutraliser. Alors, on en a deux là. Si j'explose celui-ci, il n'y aura rien. Il n'y a rien sur le côté, non. Voilà! Hop! Qu'est-ce que t'as, toi? Hop! Voilà! Bah écoutez, bah, c'était pas dégueu. Sans rien, on a bien joué là. Là, franchement, je crois que c'est une des meilleures fois où j'arrive à bien sniper pour une fois. Hop! Tac! Et voilà! Normalement, je crois que c'était la dernière phase de snipe. Il me semble. En plus, on n'a même pas utilisé de bidon. Bon, on en a utilisé un seul. Ce qui est quand même bien. On a plutôt bien géré les autres. Hop, frappe vitale. Hop, voilà, t'es mort. Vraiment que j'essaie de trouver des moyens pour faire des bonnes fusions de matériel. Parce que... pas des masses, hein. Ah, super. Bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là, je pense. Ravitaillement ennemi non récupéré 3. Bah oui, bah écoute, ils sont à 10 km. Moi je peux pas aller les voir. Hein. On va. Oh, 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 il y a des choses ici. Gravité. Oh, gravité, c'est bon ça. Ruée. Foudre X. Ouh. Ça pique ça. Hop. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là parce que sinon, après, on va lancer une cinématique, bah, je pense en tout cas, et donc bah, je pense qu'on a quand même bien fait un bon épisode. Alors, nouvelle mission ajoutée, bah, ça, je verrai ça pour la prochaine fois. Bien, bah écoutez, ce fut un épisode intéressant, avec très peu de cinématiques, mais avec beaucoup d'informations quand même. Donc, on a été. on est passé pour mort, on est des fugitifs, des cobayes de Hojo qui se sont échappés, donc on peut dire on est des fugitifs. Hein. Donc, voilà.
Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire à la vidéo, cela me fera très plaisir. N'hésitez pas à partager également, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.